Saint-Joseph est fêté chaque année le 19 mars. Il est connu pour sa discrétion et sa présence auprès de Marie et de Jésus. Pendant longtemps, l'Église en a peu parlé, mettant toute la lumière sur Marie et Jésus. Déclaré officiellement patron de l'Église universelle par le pape Pie IX en 1970, Saint-Joseph est fêté aussi le 1er mai, depuis que le pape Louis XIII, en 1989, en a fait le modèle des pères de famille et des travailleurs. Jean-Paul II, le 15 août 1989, 100 ans après, lui consacre une exhortation apostolique Redemptoris Custos sur sa mission dans la vie du Christ et de l'Église. Il le définit comme un homme juste, c'est-à-dire qui vit sa foi et cherche à accomplir le bien. Les évangiles le montrent comme un homme silencieux. En effet, il ne prononce aucune parole. Dieu intervint dans sa vie durant des songes. Il lui dit de ne pas répudier Marie, de prendre soin de Jésus, de fuir en Égypte. Puis, une autre fois, l'ange du Seigneur lui apparaît dans un songe et lui dit de revenir s'installer à Nazareth. Il a reçu donc la mission de prendre soin de Jésus et de sa mère et il a toujours agi efficacement aux heures décisives, le sauvant des mains d'Hérode. On peut dire qu'il est le sauveur du sauveur. Il est présenté comme le père nourricier de Jésus. Il lui donne son nom. Plusieurs sanctuaires dans le monde lui sont consacrés. Au Canada, l'oratoire Saint-Joseph a été érigé par le frère André, frère de la congrégation Sainte-Croix. Nous avons rencontré le recteur actuel de l'oratoire Saint-Joseph, le père Claude Groux de la congrégation de Sainte-Croix. La congrégation de Sainte-Croix a toujours attaché une grande importance à Saint-Joseph. En fait, la fondation de la congrégation de Sainte-Croix s'est faite en amenant ensemble un groupe de prêtres et un groupe de frères qui s'appelaient les frères de Saint-Joseph. De sorte que Saint-Joseph a toujours été considéré dans notre congrégation le patron particulier des frères de Sainte-Croix. Et dans le costume des frères de Sainte-Croix, le costume plus traditionnel, les frères de Sainte-Croix portaient toujours une médaille de Saint-Joseph. Alors, cette tradition-là était importante depuis le 19e siècle et quand on s'est établi ici au Québec, c'était une dévotion qui était importante. Le frère André, Alfred Bessette, comme il était connu, avait d'abord découvert la dévotion à Saint-Joseph dans le cadre de sa famille. Et dans ce cadre-là, comme dans beaucoup de familles canadiennes françaises, on avait beaucoup une dévotion à la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, on répétait ces noms. Et le frère André, quand il était tout jeune, quand il était Alfred Bessette, avait appris à répéter la prière Jésus, Marie, Joseph. Et pour lui, Joseph est important, peut-être d'autant plus que le père d'Alfred Bessette est décédé quand Alfred était tout jeune, alors la figure du père est importante pour lui. Quand il s'est joint à la congrégation de Sainte-Croix en 1870, il a probablement, tout naturellement, découvert cette importance qu'on attachait à Saint-Joseph dans la congrégation de Sainte-Croix et ça entrait pleinement dans la ligne de sa propre dévotion. Le frère André était très attaché à Saint-Joseph tel qu'il était présenté, en particulier dans l'Évangile de Saint-Matthieu. Si on reprend les deux premiers chapitres de l'Évangile de Saint-Matthieu, c'est Joseph qui se met en action. Joseph qui entend la voix de l'ange dans son rêve et l'Évangile dit simplement que le lendemain, il fit selon ce que l'ange lui avait dit. Et encore, quand il part en Égypte, l'ange lui parle et il agit selon ce que l'ange lui dit. Et c'était Saint-Joseph, cet homme fidèle à la volonté de Dieu qui est important. Et avec cela, Saint-Joseph, c'était le protecteur. C'était celui qui protège la mère et l'enfant. C'était celui qui est le protecteur de tous ceux qui sont dans le besoin. Et je pense bien que le frère André le voyait un peu comme son protecteur à lui, lui qui était faible, sans santé, et qui, à travers tout ça, a réussi à faire tant de choses dans sa vie. Il voyait Saint-Joseph comme son protecteur. C'est significatif que un chant qui est resté très, très commun ici à l'oratoire reprend ce chant à Saint-Joseph où on répète « Veille, veille, veille sur tes enfants ».
Saint Joseph qui veille sur l'enfant Jésus, sur la Vierge Marie, Saint Joseph qui veille sur tous les hommes et les femmes qui ont besoin. Et le frère André qui rencontrait à court de journée des hommes et des femmes qui viennent parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils sont affligés, parce qu'ils souffrent, il voyait en Joseph celui qui veille sur ses enfants. Le frère André s'est entouré d'hommes et de femmes qui partageaient cette dévotion à Saint-Joseph et il avait ce rêve. Le frère André était portier au Collège Notre-Dame qui est face à la montagne du Mont-Royal et la Mont-Royal était une montagne où il n'y avait à peu près rien. C'était un boisé qu'il avait en face de lui et lui se disait un jour, j'aurai un lieu pour prier Saint-Joseph sur cette montagne. Alors, il regardait la montagne, on dit même qu'il prenait sa petite statue de Saint-Joseph, qu'il tournait Saint-Joseph vers la montagne en lui disant, « Saint-Joseph, il faut que tu obtiennes cette montagne pour nous. » Alors, les circonstances ont fait, à la fin du 19e siècle, que la congrégation de Sainte-Croix était en mesure d'acheter le terrain qui était en face du collège. Et là, on a permis au frère André de venir bâtir une petite chapelle, un oratoire, là, c'est pas normalement une grande basilique, c'est une petite chapelle. Et effectivement, ce que le frère André a d'abord construit avec ses amis, avec le frère Abondius qui l'aidait, c'était une toute petite chapelle. L'important, c'est que le Saint-Joseph ait son lieu ici et que les gens puissent venir prier Saint-Joseph sur le Mont-Royal. Alors, c'était le début et ce qui a suivi, bien, c'est la réponse du peuple qui, de plus en plus, trouvait important de venir prier avec le frère André sur la montagne et qui constamment venait en nombre de plus en plus grand, de sorte qu'on avait besoin de plus d'espace. Et le frère André était heureux de voir que cette dévotion à Saint-Joseph se développait, qu'il y avait de plus en plus d'hommes et de femmes qui voulaient venir prier avec lui, prier Saint-Joseph, mais aussi prier le Christ parce qu'il avait une très grande dévotion à la Passion du Christ. Saint-Joseph reste un personnage qui est très actuel dans notre société, qui peut être un modèle de cet homme simple. Saint-Joseph, c'était un homme du peuple, c'était un petit ouvrier, c'était quelqu'un qui avait été choisi par Dieu pour jouer un rôle, non pas parce qu'il avait des qualités particulières, c'est comme si c'était Dieu qui avait choisi cet homme parce qu'il était capable de répondre à ce que Dieu lui demandait. Et dans ce contexte-là, Saint-Joseph et le frère André représentent un peu cette réalité de personnes qui, à partir de ce qu'ils sont, en allant chercher le meilleur d'eux-mêmes, peuvent accomplir de grandes choses. Et je crois que ce modèle devient particulièrement important dans notre société où des gens se cherchent et souvent il s'agit de savoir écouter cette voix intérieure qui nous guide pour pouvoir découvrir comment Dieu va nous guider dans notre vie. Beaucoup de laïcs viennent prier Saint-Joseph à l'oratoire. Monsieur Louis-Marc Morin, père de familles nombreuses, nous donne son témoignage. Tout chez Joseph est amour, amour pour Marie et amour pour l'enfant qu'elle porte. Alors évidemment, il y a des interrogations qui sont légitimes, mais en même temps, il n'ignore pas que dans la tradition de son peuple, il y a une annonce qui est faite, il y a une Vierge qui va enfanter un jour. Alors, il est dans un questionnement et ça va se résoudre par l'amour, c'est-à-dire qu'il va avoir, il va d'abord la préserver de la loi, et ensuite, il va complètement l'accueillir à l'invitation de l'ange. Où je vois quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est dans tout le rapport qu'il va avoir dans la fuite en Égypte pour moi. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est de la maison de David. Bon. Alors, comme laïc, on est interpellé dans une mission là, à la suite du Concile au niveau prophétique, sacerdotal et royal. Bon, la question royale, c'est toujours un peu compliqué, mais on doit le comprendre comme le service aux autres. Moi, il y a une parole de Saint-Louis, le roi Saint-Louis, que je trouve extraordinaire, qui disait « Je suis roi d'un peuple de rois ». Alors moi, quand il dit ça, c'est la figure de Joseph qui apparaît.
Pourquoi? Parce que il se dresse vis-à-vis Hérode qui veut éliminer l'enfant et il va faire en sorte de le sauver et il va le faire à travers, si vous voulez, une réflexion puis un accueil aussi de grâces exceptionnelles qu'il va recevoir qui ne sont pas évidentes non plus, là. Dans la figure de Joseph, on voit à la fois la prudence et la force qui se marient d'une manière exceptionnelle. Sur la question de la passivité, pour moi, d'abord, les évangiles disent peu de choses. Alors, c'est pas parce qu'ils disent peu de choses que Joseph n'était pas une personne qui parlait beaucoup. Alors, il pouvait vraiment s'exprimer. Je pense que dans la tradition de l'Église, toutefois, on lui prête un certain silence. Moi, je le vois plutôt dans le sens qu'il ne s'est pas déterminé dans les fonctions sacerdotales et prophétiques d'abord. Et là-dessus, effectivement, il y a une réserve. Dans les évangiles de l'enfance, celui qui est appelé à la fonction prophétique par excellence, c'est Jean le Baptiste. Dans la visitation de Marie, déjà, il signifie « dans le sein de sa mère ». Or, et Jésus va dire de lui que c'était le plus grand, mais il met une réserve en disant que celui qui est le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste. Alors, celui qui a la fonction prophétique par rapport à Jésus, c'est vraiment Jean Baptiste. Puis, pour moi, je le vois comme au service, comme celui qui se donne. Et dans ce sens-là, il se réserve par rapport à toute la dimension prophétique. Il ne va pas sur ce tableau-là. D'ailleurs, je suis très heureux d'être devant cette statue, en particulier avec une couronne sur la tête de Joseph, parce que je le vois dans le service royal au sens mystique du terme. C'est un roi d'un peuple de rois. Il est héritier de la tradition de David. Et d'ailleurs, si on prend le peu qu'on a des évangiles, on voit sa figure comme celle de la figure de David dans son rapport avec Saul. C'est-à-dire que Saul manifeste une pseudo-tendresse à l'égard de David, et c'est le fils de David, Jonathan, qui va préserver David à l'égard de Saul et qui va permettre sa fuite. Et de la même manière, ici, Hérode, les rois mages, manifeste une pseudo-tendresse à l'égard de Jésus. Il veut aller adorer avec les mages, il veut y rendre hommage à Jésus, alors que c'est complètement bidon, il veut l'éliminer. Alors, il est héritier de ça, Joseph. Donc, pour moi, c'est un roi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la tradition de David et qui, dans le combat, se dresse devant Hérode et il va faire ce que, en son temps, David a fait, c'est-à-dire que David a fui. Jean-Paul II a dit, je pense que c'est dans l'encyclique, ou en tout cas, sur l'encyclique sur Rédempteur, disait que le Christ est le centre de l'histoire et du cosmos. Alors vraiment, notre ami Joseph, il est très proche du centre, là. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est quelqu'un qui lorsqu'on se tourne vers lui, il peut nous donner des grâces absolument extraordinaires dans notre vie quotidienne, soit dans les difficultés quotidiennes qu'on connaît, mais aussi dans la vie mystique. Et c'est pour ça que des grands mystiques comme Thérèse d'Avila se sont tournés vers Joseph et ont fait en sorte que les Carmels lui soient consacrés, etc. Pour moi, comme les grands sanctuaires, et c'est un grand sanctuaire, c'est le plus grand sanctuaire, je crois, au monde dédié à Saint-Joseph, pour moi, c'est un carrefour extraordinaire pour le sacrement de réconciliation. Et ici, on est très bien organisé pour ça. Donc, avant chaque célébration, la plupart du temps, il y a deux prêtres pour le sacrement de réconciliation. Et on essaie à peu près une fois par mois de s'organiser pour venir toute la famille pour célébrer le sacrement de réconciliation en particulier. Plusieurs congrégations féminines au 19e siècle ont pris pour patron Saint-Joseph. Sœur Lorraine Malot, sœur de Saint-Joseph, nous parle de la place de Saint-Joseph dans le charisme de leur congrégation. Sœur Lorraine Malot, bonjour. Bonjour, Sœur Marie-Noël. Donc, quelle est la place de Saint-Joseph dans votre charisme? Quelle est la place de Saint-Joseph? Bien, moi, je dis que Saint-Joseph a une grande, grande place dans notre congrégation parce qu'on est premièrement le grand aspect de notre charisme, c'est un charisme d'unité et de réconciliation. Et le deuxième, c'est une grande ouverture à tout le monde, à sans distinction. Alors, moi, j'ai l'impression, vous savez bien que la Bible ne nous dit pas tellement à propos de Saint-Joseph, très peu de phrases, mais j'ai l'impression que Saint-Joseph était toujours là pour les gens. Il était toujours là pour Marie.
Il est toujours là pour Jésus. Alors, d'après moi, c'était un homme de paix. La Bible le décrit comme un homme juste. Et j'ai cherché un peu le sens biblique du mot juste. Et j'ai trouvé que ça veut dire un monsieur qui est bon, qui est noble, qui a un beau caractère, qui est bon. Alors, c'est ça que Saint-Joseph était. Et sa place parmi nous, c'est qu'il nous encourage, il est patron. Quand on fait nos travaux de réconciliation entre les gens, de hospitalité à tout le monde. Et quel est le passage de l'Évangile qui vous parle le plus de Joseph? Le seul que moi, qui me touche le plus, que j'aime le mieux, c'est le passage au Matthieu, chapitre 2, quand il décrit le rêve de Saint-Joseph. Vous savez que Marie et Joseph étaient fiancés. Ils étaient promis en mariage l'un à l'autre. Et puis, Saint-Joseph l'aimait bien. Il avait trouvé une belle et une bonne femme. Il était bien content. Et ils avaient toutes les aspirations que les jeunes ont quand ils vont se marier. Ils voulaient avoir une famille avec cette belle dame. Ils voulaient avoir une maison. Ils voulaient la protéger. Alors, ils découvrent qu'elle est enceinte. Et vous savez, je pense que moi, toujours, je ne peux pas comprendre quelle émotion était dans Joseph quand il a trouvé cette madame qu'il aimait tellement enceinte. Et il connaissait bien la punition pour être enceinte hors de mariage. Vous savez, c'était une mort terrible, une mort pénible, ou bien un divorce public. Et puis, il s'est dit, je ne peux pas faire ça, Marie. Alors, il a décidé de la divorcer en secret pour la protéger. Et il se couche, il a un rêve. Et puis, un ange s'approche et il dit, « Inquiète-toi pas, Joseph, de prendre Marie comme ton épouse, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est par l'action de Dieu. » Ah bien, ça, c'est facile à dire, mais difficile à comprendre. Et moi, je me dis que Saint-Joseph, vraiment, a jamais compris vraiment ce qui s'est passé. Mais il avait assez de foi pour mettre tout de côté et de dire, je place toute ma confiance en Dieu. Ouais. Il était capable de s'adapter, de bien, changer c'est ça, ses projets. De mettre, pour moi, Saint-Joseph, son grand cadeau pour moi, c'est de mettre ses propres plans de côté et de suivre la volonté de Dieu. Et c'est dans ça qu'il est patron pour moi, et je suis certaine pour la plupart des sœurs qu'on est demandé toujours de se sacrifier d'une façon pour les autres, pour accommoder les autres, pour les faire la bienvenue chez nous, même si ce n'est pas très convenable au moment. On se met de côté au service de Dieu, je crois. Vous cherchez toujours à vous adapter aux besoins des absolument, des autres. Absolument, et aux besoins, oui. Les gens qui ont besoin de nous. Vous savez, on a toujours travaillé avec les pauvres. Oui. Vous avez parlé qu'on a bâti des hôpitaux. Au commencement, Saint-Michel, on avait 4 lits pour les plus pauvres de la ville qu'on trouvait dans la rue. Vous savez, c'est ça que nos sœurs ont toujours fait. Tout partout, un peu. On a toujours eu des banques alimentaires, des travails pour les pauvres. Vous savez, en Haïti, c'est ce qu'on fait. On est là parce que les pauvres ne sont pas soignés en Haïti s'ils n'ont pas d'argent. Oui, Et là, vous en revenez de Haïti? Vous oui, étiez là, oui, oui, j'ai fait un voyage de 3 semaines. Ouais. J'avais passé 10 ans là avant. Et puis, je viens d'un voyage de 3 semaines et on dirait que Haïti vient de plus en plus pauvre, malgré tous nos efforts, vous savez. Alors, c'est là qu'on doit être. Uh-huh. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle pour les pères de famille? Absolument. Pour les pères de famille, pour les artisanats qui gagnent leur vie, pour ceux qui doivent protéger leur famille pendant même les gros changements économiques, là. Vous savez, tous les soucis qu'ont les gens aujourd'hui, c'était les mêmes soucis pour Joseph aussi. Et les gens disent, oh, mais c'était facile, il était saint. Non, c'est pas vrai, c'était pas facile. Nous aussi, on est saints. C'est pas facile pour nous. Oui, oui. Vous savez, c'est modèle pour oui. nous. Et vous dites qu'il est courageux, hein, pour vous, c'est le courage. Pour moi, en Haïti, toujours, j'ai toujours regardé à Saint-Joseph comme un modèle de courage et de foi. Parce que la vie n'est pas facile en Haïti. Vous savez, c'est pas facile de voir les gens souffrir comme ça. C'est pas facile de tenir dans mes bras des petits qui meurent de faim. Tandis qu'ici, on gaspille, vous savez. On enterre au moins 20 petits par mois en Haïti dans notre hôpital. Vous savez, ça, c'est dur. Alors,
je prends mon courage de lui, je prends ma foi de lui. Il m'aide toujours. Je ne pourrais pas être en Haïti, je pense, sans Saint-Joseph. Et en même temps, vous dites qu'en Haïti, les gens n'ont rien, enfin, sont très pauvres, mais en même temps, ils font des belles décorations, oui. Des belles nappes comme là. Ils sont très, très joyeux. Oui. Oui, les gens sont... c'est ça le cadeau de Haïti pour moi. Mm-hmm. Vous savez, Haïti n'a pas beaucoup à nous offrir comme ci, comme ça. Mais c'est le courage des gens. Que les madames se lèvent chaque matin à 4 heures, puis ils partent pour le marché avec des gros charges sur leur tête, vent toute la journée en plein soleil. On leur demande comment ça va. Ça va bien, merci, grâce à Dieu. Je suis bien, grâce à Dieu. Vous savez, c'est un courage. Les églises sont pleines. C'est, pour moi, c'est surprenant. Moi, je dis, si j'étais vraiment haïtienne, et s'il fallait rester là toute ma vie, je ne sais pas si j'aurais le courage. Alors oui, un grand courage en Haïti, un grand désir d'être fidèle. Mm-hmm. Oui. Alors, vous avez choisi la statue de Saint-Joseph, là. Oui. Et il est en train de travailler. Oui. 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 Oui, de travailler. Puis aussi, il y a une simplicité à cette statue que je vois. Mm-hmm. Vous savez, et c'est aussi, ça fait partie de notre charisme. Notre fondateur nous a demandé de rester petite. Il nous a dit qu'un grand patron pour nous aussi, c'est Jésus dans l'Eucharistie, qui est totalement anéanti. Il est totalement vide. Vous savez, il est là pour les gens. Alors, Saint-Joseph aussi, soit que sa vie était pauvre et simple, et était un servant des servants. Saint-Joseph est toujours aussi inspirant. Nous l'avons vu à travers tous ses témoignages. Il est l'un de nous. Par sa présence auprès de Jésus et de Marie dans la vie ordinaire, nous nous sentons proches de lui. Il a élevé Jésus, lui a transmis son métier, prodigué amour et soin, ce qui fait de lui un père. Jésus lui obéissait. Par son amour, sa fidélité et son acceptation des différences, il peut vraiment être un exemple de paternité à l'heure actuelle où tant de pères de famille cherchent un modèle. Il a su prendre les décisions pour assurer la protection de Jésus et de Marie. Il a su s'adapter aux circonstances. Il a été sans cesse à l'écoute de l'Esprit de Dieu en lui et il a laissé toute sa place à Marie. Sa disponibilité, son sens de l'adaptation, sa confiance sont exemplaires et continuent de nous inspirer. Le pape Jean XXIII avouait simplement « Saint-Joseph, je l'aime beaucoup, à tel point que je ne puis commencer ma journée ni la finir sans que mon premier mot et ma dernière pensée soient pour lui. » Saint-Joseph est un homme de paix. Saint-Joseph, priez pour nous. Glorieux Saint-Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes les nécessités et sait rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à Télévision C'est les Lumières par courriel à focus@commercial.org. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.